Aujourd'hui, vendredi, l'équipe nationale marocaine de football a remporté la Coupe des Confédérations, après avoir battu son homologue iranienne, 4-3, en match final. Le déroulement de la confrontation a commencé par une grande rivalité entre les éléments des deux parties, avant que l'équipe marocaine ne puisse ouvrir le résultat avec un premier but grâce au joueur Youssef Javad sur corner, alors que son compagnon Khaled Bouzid a réussi à booster le résultat en inscrivant le deuxième but de l'équipe marocaine grâce à un puissant tir direct d'un ballon fixe, avec lequel il a vaincu la défense et le gardien de l'équipe iranienne. L'équipe marocaine était proche de booster le résultat avec un troisième but lors des quatre dernières minutes du premier tour, car les éléments nationaux avaient des ballons offensifs qui ont eu l'occasion de marquer, notamment par Abdelatif Fatih, Youssef Javad et Sofiane Almazra. Avec le début du deuxième tour, les éléments des deux équipes ont échangé quelques manœuvres de score, et une certaine confusion est apparue sur les membres de l'équipe marocaine la chose que l'équipe iranienne a exploitée pour marquer le premier but par l'intermédiaire du joueur Sidama Dabazi. cinq minutes après le début de la seconde mi-temps avant que l'arbitre n'accorde un penalty à l'équipe iranienne deux minutes plus tard alussin al talib réussit à le traduire en un objectif d'amender le résultat le joueur Anna Alaya en a raté une occasion de marquer à 6 minutes de la fin de la confrontation, et toutes les composantes de l'équipe marocaine ont déploré leur défaite. Deux minutes avant la fin du temps légal du match, l'équipe marocaine a réussi à inscrire le troisième but grâce à Ismail Wadou, cependant, les éléments nationaux n'ont pas maintenu cette progression après avoir reçu l'égalisation quelques secondes avant la fin du match, pour poursuivre sa course en prolongation. Et quelques secondes avant la fin de la deuxième période de prolongation, l'équipe marocaine a réussi à saisir le but gagnant grâce au joueur Youssef Javad, pour mener les Lions de la salle au couronnement de la Coupe des Confédérations 2022.